Nous sommes à la ville de Pucón, près d'un volcan, et tout est fait en bois, c'est trop joli. Vamos! Derrière moi, il y a le volcan Villa Rica qui fume encore. Il est qu'à 17 km de Pucón, il est hyper près. Dans le volcan. Ah bah moi je suis pas. Génial. Ah si, j'ai commencé à rentrer moi. Toi t'es déjà dans le dans le volcan. Je commence à rentrer. Ah je suis dans le volcan. On va pas te brûler hein. D'évacuation. Donc en fait, on va avoir, comme vous connaissez à Boria, les alertes avalanches. Là, on a les niveaux d'alerte pour une éruption. Donc on a l'alerte verte, tout va plutôt pas mal. Et puis ça va monter petit à petit jusqu'à l'alerte rouge. Mais alors pourquoi ils font une alerte ? Ben, en fait, c'est pour dire, en fait, même s'il n'y a rien, on vit quand même près d'un volcan. Donc à tout moment, il faut être quand même en vigilance. Malgré tout, il faut connaître les mesures de sécurité au cas où. Donc même comme ça, il faut être vigilant. Donc voilà, on va avoir donc, ça, c'est sans variation, il ne se passe pas grand-chose, là ça ne bouge pas. Là, ça devient instable. Là, il y a des variations, donc ils commencent à sentir des signes, ils voient qu'il y a une activité plus importante de lave, enfin, il y a plus de mouvement. Et alors là, on est carrément en train d'arriver sur une éruption. Donc, en fonction de ça, on va apprendre aux habitants ici à réagir de façon appropriée. En alerte verte, et bien sur le niveau alerte 1, en fait, c'est ce que je te disais, c'est qu'il faut juste être attentif et connaître les normes de sécurité. Donc, ils doivent savoir où est-ce qu'ils doivent aller, par exemple, en cas d'éruption, qu'est-ce qu'il faut faire, où sont les points d'urgence, voilà, ils doivent savoir tout ça. En cas d'alerte, alors voilà, petit à petit, ça va être de plus en plus important en fonction de l'alerte qu'on a. Et là, à aujourd'hui, l'alerte
le niveau d'alerte ouais. et on le est... deuxième niveau. Oui, on est en alerte à Maria, donc c'est instable. C'est instable. Et il se trouve que ici c'est tout le temps instable, plus ou moins, parce que c'est un volcan très 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 actif. Ils savent qu'à un moment donné, il va y avoir de nouveau une éruption. Il y en a très régulièrement, plus ou moins grave. On a la dernière, c'est 2022. Oui. L'avant-dernière était 2019. Je crois. Et 48, ça a été une catastrophe. Et en 1948, c'était une catastrophe. Et le chat, voilà, le chat on l'emmène le pas. Le chat on l'emmène pas apparemment. Attends, voilà, c'est Dente. Moi ce que je voudrais vous trouver, vous montrer, c'est ce qu'il doit y avoir dans un sac à dos. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un sac à dos quand tu pars en urgence, quand il y a une évacuation d'urgence? Qu'est-ce que tu dois avoir avec toi avant de partir? De l'eau. Tu dois avoir de l'eau. Tu dois avoir un masque de protection. Tu dois avoir des batteries, enfin de quoi alimenter ton téléphone et tout et tout. Tu dois avoir une pharmacie, une lampe de poche. Très moderne, très enrichissant, oui. Hyper interactif, et c'était gratuit. Alors la gratuité faisait curieusement qu'on ne pensait pas que ce serait aussi bien. Ouais. On s'attendait à quelque chose de sympa, mais là vraiment on est bluffé. Ouais. Oui. Alors aujourd'hui on est au parc national Villa Rica pour aller voir le volcan. Sauf qu'en fait on ne peut pas le voir parce qu'il y a des nuages. Et pas n'importe quel nuage, hein. Attention, des nuages de neige. Bon, du coup, on va faire une autre randonnée pour voir la neige. Combien? Bon, on n'est pas super équipé, mais bon, ça va passer. Vamos ao